Coucou les amis, c'est Keldo86, on est de retour pour une nouvelle vidéo de Si on buildait, je pense que c'est l'épisode 3, si je ne m'abuse. Voilà, donc on se retrouve devant les maisons qu'on a déjà faites et on va attaquer directement quelque chose un peu plus autre chose qu'une maison cette fois-ci. On va faire un pont parce qu'on va relier cette partie ici de la rivière avec l'autre. Voilà, donc j'ai posé les bases. Et donc on va s'y mettre, j'ai pris mes matériaux, on va s'y mettre directement à faire ce petit pont. Voilà. Hop, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ensuite, si je ne m'abuse, comme ceci, voilà. Yop la boum. Yop la boum. Évidemment, même chose de l'autre côté. Tac. Voilà, là ça va être un petit trou comme ça. Donc de nouveau l'esprit ça va être donc de la stone brick, enfin ouais, en gros vraiment, en gros gros de chez gros, c'est de la stone brick, des dalles et un peu de bois pour mettre une touche. Voilà, comme ceci. Même chose de l'autre côté. Voilà, tac tac comme ça. C'est ça. La lampe de glowstone. Va aller très très vite, parce que c'est pas très compliqué à faire, hein. C'est même très simple. Dalle. Voilà, et alors, si je ne m'abuse, on revient avec un bloc, et alors, ben, voilà, comme ceci, la dalle, un bloc, voilà, dalle, excusez-moi, je me suis trompé ici, voilà, bloc, 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 si je me souviens bien, on avait fait ça comme ça, voilà, ça c'est donc la base, voilà, même chose de l'autre côté, hein. Bloc, 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 escalier, escalier, voilà. On va faire la même chose ici. Hop. Alors, pour parler un peu, nouvelles de la chaîne, etc. Je suis assez content. On a dépassé les 213 vues, je crois, ce matin, au total de la chaîne. Et je trouve ça super, super cool. Parce que, enfin, c'est vraiment motivant. Pour ma part, moi ça me motive à faire des vidéos. Vous avez sûrement vu, j'ai fait une nouvelle série. J'espère que celle-là vous plaît aussi. Moi, en tout cas, ça m'éclate de la préparer. Et il y a un épisode là qui va se faire bientôt. Qui va vraiment être super. On rentre vraiment dans le vif du sujet. De la magie, etc. Donc c'est vraiment cool. Et puis moi ça m'éclate parce que je découvre vraiment des choses que je connaissais pas du tout de Minecraft et ça c'est super. Donc voilà. Donc là on continue à faire notre structure. Voilà. Hop. Hop. Jusqu'à là maintenant, vous allez m'accorder que c'est vraiment pas difficile à faire. Donc voilà, vous pourrez vraiment le refaire à votre mode et n'ayez pas peur de le faire quoi. Donc voilà. Alors après ce qu'on va faire, c'est on va mettre donc double dalle ici, double dalle là, et puis tout simplement des dalles. Tac, 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 comme ceci, voilà. J'ai pas fini ce côté-ci, on va le faire tout de suite. Hop, hop. Allez, hein. Voilà.
C'est vraiment, le but est vraiment de faire quelque chose d'assez simple et on va dire de comment de détailler, enfin de pas trop détailler, détailler. Je suis pas un expert en pont, mais voilà, je trouve que ce que j'ai fait au final, ça rend bien et c'est le but quoi. Enfin, c'est vraiment le but, c'est de rendre quelque chose joli, voilà. Enfin, alors après, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir. Hein. Voilà. Et ici, mettre un escalier pour faire un peu plus relief. Voilà. Alors, bah, partir d'ici, on va remplir ça avec de la stone brick. Hop. Je sais, je suis fainéant, mais fainéant intelligent. /7 98. Ouf, voilà. Et alors, ben, on va mettre un garde-corps. Oui, avec de la chisel brick. Alors, si vous n'en avez pas parce que vous êtes en aventure, vous pouvez utiliser d'autres choses. Hein, par exemple, des bûches de bois ou de la stone brick ou de la cobble. Voilà. Enfin, c'est parce que moi, je trouve ça joli. Mais c'est pas obligatoire, attention, hein. On s'entend bien. Alors, hop, on fait ça ici aussi, parce qu'on va avoir autre chose. On fait la même chose de l'autre côté. Et on va donc maintenant attaquer la descente du pont. Enfin, c'est vraiment à proprement dit ce qui va. Bah, le seul escalier, quoi, voilà. Donc ici, une dalle. Voilà, ici, une chisel. Une dalle en partie. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Une dalle, non, c'est l'autre. Voilà. Ça à la barbare parfois, mais c'est ma façon de faire. Voilà. Ça c'est pas juste, il y a quelque chose qui ne va pas. Une chisel, une dalle, double dalle. Soit douce, n'est-ce pas? Voilà. Comme ceci, comme ceci. Pourquoi tu veux pas mettre de dalle? Parce qu'il y a ça peut-être. Voilà. Voilà. Youp la boum. C'est mon nouveau mode, youp la boum. C'est décidé. Peut-être mettre une dalle en dessous. Voilà.
Allez, parle jamais. Donc voilà. Bon, terraforming, ce sera pour une autre fois. Et donc on monte. Et nous avons un joli pont. Alors, ce que j'avais fait aussi pour faire quelque chose de un peu plus fini, nous allons dire, voilà, on met un soutien ici. Voilà, hop, comme ceci. Voilà, avec. Avec un escalier pour faire roulis. Voilà. Et donc voilà, nous avons notre descente vers le pont. Alors, on va pas se casser la tête, hein. On va essayer de faire ça du premier coup et proprement. Voilà. Voilà, on prend le milieu. On regarde par là, comme ça normalement, slash la flip, moins P, j'ai oublié de faire un slash slash copy, voilà, slash slash flip, moins P, slash slash paste, et normalement si je me suis pas trompé, et je me suis gouré, voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais enfin, ah oui, mais si je fais pas un paste, imbécile. Excusez-moi, là je suis mauvais. C'est des gros fails. Donc, slash slash paste. Et voilà, ta-ta. Donc voilà notre petit pont. Dernière petite finition. Pour faire joli et casser cette monotonie, voilà, on va mettre une poutre. Comme ça, voilà. Et ici aussi, voilà. Et donc voilà, on a le petit pont. Voilà, je sais pas combien de temps a duré l'épisode, mais voilà. Donc n'hésitez pas à commenter et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Goodbye les amis.